Dans une lettre au scénariste, Oumou Sangaré écrit « Ce qui m'intéresse surtout dans le film est de rendre hommage à une femme africaine qui a eu un grand courage. Abo a vécu tellement de choses graves et elle a osé raconter ce qui lui est arrivé. Cela est très rare chez les femmes en Afrique. » Pendant l'époque coloniale, c'était très difficile pour une fille d'étudier. Tu as quand même pu étudier. Oui, mais moi, j'ai pu aller à l'école. J'ai fait 2 ans à l'école primaire dans mon village Lukana. Après, j'ai terminé à Touchi. Le samedi, les élèves devraient aller ramasser le sable et le pierre loin de la mission. On devrait porter ça sur nos têtes. Tout ça, c'est pour construire le bâtiment pour les Blancs. Après, on devrait aussi travailler. Il fallait planter les tiges de manioc qui s'appelaient Saint-Pierre. Ça, c'était seulement pour les Blancs. À ce moment-là, moi, j'avais volé quelques tiges que j'ai données à ma mère. Une autre fille a fait cela. Elle a été rattrapée par la sœur Audrade. La sœur Audrade l'a jetée par terre. Il lui a chicoté 6 coups de fouet. Je suis venue ici à Bruxelles pour donner ma voix à l'histoire du Congo, à l'histoire d'Abo. Le 30 juin 1960, Lumumba, premier ministre du Congo, proclame l'indépendance. Dans son gouvernement, on trouve celui qui le tuera, Mobutu. On y trouve aussi celui qui continuera son combat, Pierre Moulélé. Tu avais quel âge quand tu as commencé à faire accoucher les femmes? Oui, à l'âge de 13 ans. Ah oui? Quand j'ai fini ma formation d'aide accoucheuse. Ah, tu étais jeune avant? J'ai commencé à faire les accouchements seule. C'est pourquoi certaines mamans ne voulaient pas que je fasse des accouchements parce que j'étais trop jeune. Ils disaient que une petite fille qu'on a mise au monde, elle va nous faire les accouchements. Tu sais, ici chez nous au Mali, avant, on mariait des jeunes filles, vraiment des jeunes filles qui sont pas à l'âge de mariage. Est-ce que ça a existé chez vous? Oui. Ça existait. Oui. Après ma formation de l'école primaire, on m'a donné un mari qui était mon cousin. À la fin de l'école primaire, à 12 ans, ma famille m'a donné un mari. C'était mon cousin innocent. Sa famille avait déjà apporté 15 wax de tissu pour les femmes. Mais alors mon père Awak a appris qu'Innocent était entré dans l'armée. Chez nous en 1930, l'armée a tué plus de 4000 personnes dans la région de Kilamba.
Mon père a dit qu'il ne donnerait jamais sa fille à un militaire. Le colonial avait tué au moins 4000 personnes. Parler de l'indépendance au Congo. Comment tu as vécu cette indépendance au village? Moi, j'étais agricultrice. Un jour, très tôt le matin, je voyais les gens qui gesticulaient, qui couraient partout, qui jetaient les bouteilles de la bière par terre et ils ont appliqué la poudre, la farine et criaient l'indépendance, l'indépendance. Sous la pression des nombreuses manifestations, Baudouin, roi des Belges, promet des élections. Lumumba sort gagnant. C'est par la lutte que nous avons conquis l'indépendance pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé. À présent, nous voulons l'indépendance économique. 11 jours après, la Belgique envoie ses troupes dans la jeune République du Congo. Elle y débarque 10 000 soldats. Kasavubu dissout illégalement le gouvernement Lumumba. Mobutu impose son premier coup d'État. Patrice Lumumba est assassiné sur l'ordre des gouvernements américains et belges. Après l'assassinat de Lumumba, nous les part au Caire pour y organiser la solidarité internationale avec la révolution congolaise. Il s'y rend au Ghana, au Mali, au Soudan, en Tchécoslovaquie, en Russie et surtout en Chine. Revenu au Congo, Moulele déclenche en janvier 1964 l'insurrection populaire au centre du Congo, au Kwilu. Le peuple congolais, dirigé par Moulele Mitoudidi Mukwidi, libère 3/4 du pays. Les armées belges et américaines interviennent. Elles sont épaulées par les mercenaires sud-africains. Ils tuent 400 000 nationalistes. Très tôt le matin, un jour, j'ai vu une masse de gens qui couraient dans tous les sens. Ils passaient devant la parcelle là où j'étais. Et tout le monde s'est dirigé vers la rivière Kwilu. Et là, les gens traversaient dans le pirogue, il y en a qui tombaient dans l'eau. Les enfants renversés et piétinés. La rivière même a été prise en saut. Il y a eu beaucoup de morts. Moi, j'ai pu traverser dans un petit pirogue. Arrivé de l'autre côté, les gens se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, il y en a qui disaient, bon, mais il y a les parachutistes belges qui ont tombé sur Kikwit en plein jour. Ils déshabillaient les femmes et violaient les femmes. Ah bon? À quel âge tu t'es mariée, finalement? Je me suis mariée à l'âge de 14 ans. Quand je suis arrivée à Kikwit, on m'a donné encore un mari que je n'ai pas choisi, moi. Et puis ce mari, il était très jaloux. Il me suivait partout pour m'espionner, pour voir, vérifier si je causais avec d'autres hommes. Et moi, j'avais peur d'un cagne. Un cagne, ça veut dire qu'il y a une plante qu'on doit brûler. Cette cendre-là, l'homme qui va aller chez le féticheur pour chercher cette cagne pour sa femme,
pour que la femme reste seulement pour lui. Quand on va lui appliquer ça, au moment où il va faire l'amour avec sa femme, c'est transmet déjà cette poison-là. Maintenant, la femme, quand elle va aller faire l'amour avec son amant, en ce moment-là, le sexe va se coller. Ils ne peuvent pas bouger, ils sont là. Maintenant, ils vont chercher son mari. Quand son mari va venir, il va aller chercher le féticheur. Et c'est le féticheur qui viendra intervenir pour que ça s'enlève. Est-ce que quand tu étais très jeune, disons, j'allais dire quand tu étais jeune fille, tu étais obéissante ou tu étais rebelle? J'étais obéissante par tout le monde. Un jour à l'hôpital, avec les sœurs, on faisait les consultations prénatales. Il y a une femme enceinte qui est montée sur la table. Elle s'est glissée. La sœur, en lui disant « fais attention », il lui a donné un coup. Moi, je voyais que le sang qui coulait par la bouche. Et moi, ça a réfléchi, j'ai tapé aussi la sœur. Alors, c'était catastrophe à l'hôpital, comme ça ne pouvait pas se faire. Et ça, c'était mon première révolte vers le blanc. Comment as-tu rencontré Moulélé? Oui, un jour, j'étais à Matende. On m'a amené, on me dit, on va aller à Bukundu. On m'a caché avec une panne comme ça. Moi, je croyais qu'on va aller me vendre chez les Blancs ou on m'amène. Tous les visages étaient cachés comme ça. Je ne savais pas. Et après, il y a le chef de secteur qui passait et il ne voulait pas que je le voie, le chef-là. Et aussi, il partait là où était Moulélé. J'arrive chez Moulélé. Moulélé m'a demandé. Tu as fait les études? J'ai dit oui. Tu es infirmière? J'ai dit oui. Il me dit, tu vas aller soigner mes soldats. Et c'est comme ça que je suis arrivée au maquis avec mon père. Mali, j'ai joué quelques scènes du maquis. Ce n'était pas des reconstructions historiques, mais des évocations.
je tenais le rôle de la jeune Abo, la compagne du chef de la révolution, Moulélé. Je m'imaginais le vrai maquis. Marie Moukoulou, elle avait 13 ans. Elle est venue au maquis. Elle voulait rester au maquis. Le commandant lui a apaisé. Son poids était insuffisant. Il lui a dit, le poids, vous êtes qu'un petit gosse de rien du tout. Ça ne vaut pas la peine. Marie a pleuré. Elle a pleuré. Elle voulait à tout prix rester au maquis. On l'a accepté. Après, elle est devenue le commissaire militaire dans son équipe de son village. Quand est-ce que les opérations militaires proprement dites ont commencé au maquis? Les opérations ont commencé le 20 septembre 1963. Très tôt le matin, nous on était tout près de la rivière. Moulélé était parti avec tous les partisans sur une colline. Nous on est restés près de la rivière. Après, il fallait rejoindre Moulélé là où il était. Maintenant, il fallait mettre les lianes de camouflage. Et on courait pour aller là où était Moulélé. Avant d'arriver, les soldats ont surgi sur une autre colline. Ils ont commencé à demander parce qu'ils avaient peur. Beto Boula, trois fois pour dire qu'est-ce qu'on peut tirer. Les partisans ont répondu que tirer, c'est-à-dire boula. Et ils ont commencé à tirer. Moulélé a dit aux partisans de se jeter par terre. Les partisans voulaient aller attraper les soldats avec les mains. En Chine, Moulélé a rédigé des leçons politiques à l'intention des paysans. Au maquis, des centaines d'intellectuels ont copié et recopié ces textes dans des cahiers. Dans tout le village, ils donnaient la formation politique basée sur ces cahiers. Moulélé ne voulait pas encore commencer la lutte. Il fallait d'abord toute la masse comprenne pourquoi nous luttons. C'est pourquoi chaque appel du matin, Moulélé et Benguila donnaient les leçons politiques sur le colonialisme. On nous enseignait comment nos ancêtres ont été colonisés. Pendant qu'ils nous apprenaient les leçons politiques, l'armée terrorisait déjà les gens à Kikwit et dans les villages. Par exemple, à Kikwit, son oncle Matalatala, Clément Matalatala, il était un grand commerçant à Kikwit. Les soldats l'ont arrêté. Ils l'ont embarqué dans un bateau au milieu de la rivière. Ils l'ont attaché dans un sac de ciment. Et puis, on l'a jeté dans l'eau. À Kimbanda, mon frère Gaspard Ngong, c'est chez lui que j'ai rencontré Moulélé. Et que c'est là où la révolution a commencé. Il était arrêté et enterré vivant par les soldats. Partout dans les villages, les partisans ont détruit le pont, le bac. Et ils ont creusé des pièges sur les routes. C'est pour empêcher que l'armée ne puisse pas se déplacer facilement.
Les soldats devaient se diviser en petits groupes et les partisans les attaquaient avec leurs lances, les flèches et les machettes. C'est comme ça que nous, on a eu à récupérer un peu de armes. Toi et d'autres jeunes filles ont participé à cette guerre. Est-ce que c'était normal en ces temps-là? C'était pas normal. Quand Moulay est venu de la Chine, il a dit que en Chine, les femmes participent à tout ce qu'on fait là-bas. C'est pourquoi il a demandé au chef de village qu'on lui envoie des jeunes, les filles comme les garçons. Par exemple, si vous allez tirer en arc avec un main, ça va marcher? Non. Il faut les deux mains. Et les deux mains qui manquaient, c'est les deux mains de l'homme et de la femme. Il y avait les femmes qui jouaient le rôle de dirigeants. Comme Nelly Labout, il donnait les leçons à tout le monde à la direction. Même Godelise Madinga, elle était commandante. Elle donnait les exercices militaires, même aux hommes. Capitale de la Révolution. Il y avait des bivacs, des bureaux reconstruits en paille. La direction a dirigé un territoire qui comptait au moins 500 000 personnes. Ça devrait être divisé en 7 zones. Les commandants des zones venaient souvent à la direction pour faire leurs rapports et recevoir les ordres. Dans les équipes de village, il y a eu des partisans, il y a eu 100 000 jeunes organisés dans ces équipes-là. Dans la partie civile, il y avait des bureaux qui s'occupaient de la vie civile de la zone libérée. Par exemple, il y a eu le bureau de la justice, le bureau de l'enseignement, le bureau d'information, et moi, je travaillais dans le bureau de la santé. En dehors de la santé, je pouvais, comme j'étais chef du peloton, il fallait que j'assiste aussi aux activités militaires. Dans la partie militaire, il y avait le bataillon. Et le commandant, c'est Ntsolo. Ntsolo, il s'occupait
de la sécurité, de la direction et former les partisans des équipes du village. Ah bon? Et regarde ces quelques rares photos et documents du maquis. Des partisans démolaient les maisons en fer. À l'époque de Mobutu, en gardant ces photos, ils ont risqué leur vie. Est-ce que tu as vécu de grandes batailles quand tu étais au maquis? Quand la direction était à Mbanda, le camp des militaires était à 12 km de la direction. Chaque nuit, les soldats tiraient pour nous intimider. Un matin, notre chef d'état-major Kafungu a pris la décision. Il a fait le rassemblement pour dire que vous avez appris la tactique militaire. Il s'agit maintenant de le mettre en pratique. Demain, nous allons attaquer. Vous avez trop peur. Quand on a trop peur, il y a l'hésitation et ça peut provoquer la perte de la révolution. Et Kafungu a mis son bonnet avec les plumes d'aigle. Les jeunes croyaient que Kafungu avait les fétiches. Mais pour Kafungu, lui, il croyait à la victoire. Quand on n'a pas entendu le coup de fusil, nous ne sommes pas contents. Il faut entendre le coup de fusil pour savoir les ennemis sont où. Si c'est calme, on ne sait pas, là on a peur. Un jour, Molel m'a dit d'aller danser et je suis allée dans le bivouac pour mettre une robe, une belle robe qui était bleue. Bon, je montais vers la danse, j'arrive, je ne sais pas qu'est-ce que ça faisait. Molel m'a dit d'aller changer, de mettre autre chose. Je suis repartie dans le bivouac, mais j'ai eu honte, j'ai pleuré, j'ai changé, j'ai mis un autre pain. Puis je suis repartie, j'ai commencé à danser. Après, j'ai compris que Molel ne voulait pas les avantages ni de lui et de sa femme. Un jour, les villageois nous ont apporté un grand coq. Le cuisinier l'a préparé. Boulaboula me disait, je suis content que nous, les dirigeants, mangerons du coq. Mais Molel a donné l'ordre de couper le coq en petits morceaux et de les mélanger dans la nourriture destinée à tous les partisans. Tout le monde n'a pas compris cela. On a eu des problèmes avec le commandant Kandaka. On est venu nous dire que Kandaka a fait le dépôt clandestin dans sa région. Et les règles étaient que tous les butins de guerre devraient venir à la direction pour déclarer et enregistrer. Cela a été pour éviter les pillages et le vol. Kandaka a été appelé à la direction. Il a été jugé, on l'a mis en prison. Quand il a fini la prison,
Il a gardé cette rancune. Il est retourné sur lui. Il a commencé à propager le tribalisme. Kandaka, il a tué beaucoup de nos partisans. Par exemple, autour de la rivière Tchigno, il y avait beaucoup de cadavres. Et puis, on ne se combattait plus avec l'ennemi. Les combats étaient entre les partisans. Sur la colline en face de la direction, on a vu descendre les gens avec le sac de raffia au dos. Nous, on a cru que c'était les partisans qui revenaient à la direction, or que c'était les militaires qui a imité les partisans. Molele a couru, il tirait quand il retournait. Moi, je les suivais derrière. Je suis tombée, rampée, et je me suis mis debout. Je l'ai suivi derrière. Après, on a vu derrière nous le bivouac en flammes. Tout le dossier et tous les documents, ça a été perdu dans cette grande attaque. On s'est retrouvé un petit groupe à la recherche de Molele. L'enfant de Molele pleurait. Les partisans disaient Beta et Moto Nanjete. C'est-à-dire frappe-lui la tête contre un arbre. Parce qu'ils avaient peur, quand l'enfant pleure, on va tuer tous les partisans. Vaut mieux que l'enfant meure qu'on tue tout le monde. Et moi j'ai pris l'enfant, je l'ai mis au dos, avec mon fusil, j'ai parté. Avec ça, Molele a dit « Etoum kefa ebol ». Etoum kefa ebol. Une calebasse qui a contenu du poivre garde toujours son odeur. Même si la révolution connaît des défaites, les idées révolutionnaires restent. Restera toujours. On était au moins 150. La nuit, on n'a pas pu trouver quelque chose pour traverser. À 5 heures du matin, l'armée nous a attaqués par surprise. Moi, j'ai vu Molele tomber dans l'eau.
Moi, je l'ai suivi. Maintenant, tout le monde a suivi le bord de la rivière. Les militaires aussi ont suivi là-bas. Nous sommes restés toute la journée là. Et puis, Molé l'a envoyé son secrétaire dehors pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Son secrétaire a trouvé beaucoup de cadavres. Il y en a qui ne savaient pas nager. Il s'est noyé. Par exemple, le commandant Valère Mondele, il ne savait pas nager, il s'est noyé. Après, nous, on a cherché par tous les moyens pour trouver quelque chose pour traverser. En traversant de l'autre côté, on était 14. Le vrai crime, c'est l'armée de Mobutu qui a commis. C'est un vrai génocide. Parce que dans tous les villages, ils ont martyrisé la population. Par exemple, Jean Ekot en Bansamba, à Yasalokwa, avec sa mère, on leur a dit de faire l'amour. Et sa mère s'est suicidée après. Ils ont martyrisé la population en leur coupant les oreilles, les seins de femmes, les mains et les pieds. Par exemple, Ntono, à Kimbanda, on lui a mis les pieds sur un arbre et ils ont commandé aux villageois, aux cinq villageois, de couper son pied. Même ma famille aussi a été exterminée. Il y avait mon oncle, Minkulu, avec sa femme et ses cinq enfants qu'on a tués à Mpataiko. Et mon père Awaka, avec ses quatre femmes. Il s'appelait la première, Anginebo, Apoas, Yasa et Mabiungu, ma mère, ont été tués aussi à Yasalukwa. Pendant 10 mois, Mulele et moi, nous sommes restés dans la brousse autour de Lukamba. Les militaires nous cherchaient. La population disait qu'ils ne nous ont pas vus. En mai 1968, nous avons reçu une délégation de Brazzaville. Mulele leur a dit, pendant 5 ans, je n'ai jamais eu le moindre aide de nos amis de Brazzaville.
Quand Dabala est reparti de Brazzaville, Moulele lui a remis une lettre. La plupart de nos intellectuels qui n'ont pas suivi une formation politique sont de véritables opportunistes. Ils veulent rester à l'extérieur. La révolution doit se faire sur notre sol. Je veux que tous les cadres qui sont à Brazzaville viennent au maquis. 3 mois plus tard, personne n'est venu. Moulele a décidé d'aller lui-même chercher les cadres à Brazzaville. Nous sommes partis dans une petite pirogue. La journée, on s'est caché dans la forêt. La nuit, nous sommes sur l'eau. Après 11 jours, nous sommes arrivés à Brazzaville. Là, nous avons été enfermés dans le bâtiment de la milice. Pendant 2 semaines, Moulele a eu des discussions avec le président Ngouabi. Un jour, il m'a dit, je suis ici comme prisonnier. Le gouvernement a signé des accords avec Kinshasa. Ils veulent que je parte. Je ne peux pas refuser. Le 28 septembre 1968, Bomboko, le ministre des Affaires étrangères de Mobutu, est venu nous chercher. La nuit, Moulele et moi, nous avons dormi dans sa maison. C'était la première fois dans notre vie commune que nous avons dormi sur un vrai lit. Le lendemain, Germain Mouefou a dit à Moulele, « On entend des bruits qu'ils vont te tuer, il faut fuir. » Moulele a répondu, « Je suis maintenant entre les dents du lion. Je sais que je vais mourir. Il y a 3 choses, la naissance, la vie et la mort. J'ai vécu, j'ai sémé les bonnes graines. Elles ne sont pas tombées sur les pierres, mais dans la bonne terre. » C'est ainsi que Moulele a été livré à Mobutu pour être tué. Nous étions 10 femmes et 10 enfants enfermés dans une grande chambre de la prison.
Il y avait la sœur de Moulélé, Thérèse, avec son enfant, Faustin, mon aîné. Il y avait les enfants de Moulélé, Guillaume et les autres, et les filles de Bingila. Nous sommes restés enfermés pendant 3 mois. On n'avait pas de nouvelles de Moulélé, pas de nouvelles du tout. Quand on nous a libérés, j'ai pris la fuite vers Brazza. J'ai jeté toutes mes photos. C'était trop dangereux. J'ai gardé une seule photo de Pierre. Ça fait maintenant 30 ans que tu as dû fuir notre cher Congo. Avec la guerre civile là-bas, est-ce que tu travailles toujours à l'hôpital de Brazzaville? Est-ce que tu fais toujours tes champs de manioc et d'ananas pour survivre? Depuis 30 ans, Abou n'a plus revu son village natal. Elle a envoyé sa nièce faire quelques photos pour raviver ses souvenirs. Lukamba, le village natal, la rivière Louboué, la brousse et les savanes où elle a fait le maquis. Il y a des choses qu'Abou n'a pas osé dire devant les caméras. Des choses qu'elle a apprises dans les livres de Kamitatu et de Ngunzo, deux hommes de Mobutu. Ils écrivent comment Moulélé a été tué. Les militaires lui ont arraché les organes génitaux. Ils lui ont crevé les yeux à la baïonnette. Ils lui ont amputé les bras et les pieds. Puis ils l'ont noué dans un sac et jeté dans le fleuve Congo. Quand je pense à l'histoire d'Abo, je revois ces images. Ce sont ces images que je veux revoir, les images paisibles. Tu peux pas imaginer combien je suis fière, très contente, heureuse. De te rencontrer. Je suis très très fière de toi et je sais maintenant la vérité. Je connais maintenant comment l'histoire s'est passée et je connais maintenant la vérité de l'histoire. Vraiment, je te remercie beaucoup, ma sœur. Le merci, ma sœur, c'est réciproque. Comme j'ai fini le travail, ça me soulage. Maintenant que je sais que tu as compris le tout, je suis très contente de ce travail qu'on a fait.